prendras bien, tu vas présenter. Bon, ici, c'est la salle de réveil. C'est-à-dire quand les malades sortent du bloc, on les retourne ici. On les dépose ici. Pendant qu'ils se réveillent bien, avant d'aller dans la salle d'hospitalisation. Bien dit, ma fille. On prépare aussi les malades aussi avant les interventions. C'est-à-dire qu'un malade vient qui n'est pas encore préparé, on le dépose ici, on le prépare. S'il n'est pas rasé, par exemple, on peut le raser ici, le sonder. Après ça, il rentre au bloc. Donc les malades qui sont ici sont des malades qui doivent aller au bloc et des malades qui sont sortis du bloc. Autant. Vous voyez? Oui. Voilà. C'est tout. Un hernie profental, ça descend dans cette aiguille. Il avait eu un premier, qu'il y a eu une opération. Le deuxième, j'ai bénéficié de l'aide humanitaire. Mon fils vient d'être opéré, vient de sortir du bloc opératoire. Donc, j'ai su le faire encore de l'anesthésie. La première opération m'a coûté 100 000. Et la deuxième, grâce à la Watt, je n'ai pas payé 5 francs. Merci à la Watt pour ce qu'il a fait pour mon fils. Effectivement, j'étais ici, j'étais à l'hôpital ici. Donc, comme j'ai entendu parler d'affaire de ça, on dit elle est blanche, je vais venir ici pour opérer gratuitement. Donc, il y a vu une toile bonne. Donc, c'est pas ça là, bon, ils m'ont sorti, ils m'ont mis sur la liste. Docteur Blégolé Oble Clément. Maître de conférence agrégé, chirurgien généraliste, laparoscopique. Et nous venons donc de faire une intervention chirurgicale. Il s'agit donc d'un patient de 46 ans, planteur, qui souffrait donc d'une hernie inguino-scrotale droite, avec des périodes d'étranglement à répétition, et qui a été informé de l'organisation cette semaine des journées opératoires organisées par le Collège ouest-africain des chirurgiens. Donc l'intervention a été donc réalisée sous anesthésie locale par infiltration progressive des hylocaïnes. Le patient a bien supporté cette anesthésie et cela s'est passé sans incident. C'est hernie inguinale. Quand ça me prend vraiment, c'est ballonnement de ventre. Mon ventre me fait mal jusqu'à ce que je vomisse. Tant que je ne vomis pas, je ne suis pas à l'aise. Mais bon, aujourd'hui, on fait appel à tout quand je suis venu. Vraiment, tout ça se passe bien. Qu'est-ce que vous aurez à dire au professeur qui vous fait? En tout cas, vraiment, je le remercie beaucoup pour tout ce qu'il fait pour nous, pour la population. En tout cas, vraiment, je prends le bon Dieu pour le remercier. Il n'a qu'à continuer dans ce sens. En tout cas, vraiment, il est très, 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 très compétent. Le chemin a été un peu difficile parce qu'on attendait du matériel qui tardait donc à venir, pour ne pas dire qui tarde à venir. Donc on a dû commencer vers 10h30. Donc nous sommes à notre 7e intervention, mais nous resterons jusqu'à tard le soir pour faire au moins 20 patients prévus pour cette journée. Thank you very much for having us here. We are a team of Canadian Association of West African Surgical Specialists. We've come to visit Abidjan. And the members of our team include myself. My name is Emmanuel Abara. I'm a urologist, that is a doctor interested in kidneys, the bladder, the prostate, and male and female sexual function. On my left-hand side is Yemi, who is a general surgeon. He works and lives in Melfort, Saskatchewan, in Canada. And Dapo is also a general surgeon who lives in Prince Albert, Prince Albert,
again in Saskatchewan. And on my right, you have Erima Abara, who is a lawyer, but also the Director of Research and Development at the Richmond Hill Urology Practice and Prostate Institute. We are here because we love you. We're here because we want to work together with you to improve the healthcare of our friends and community here in Cote d'Ivoire or Abidjan. And we are delighted to be here, and we've been very, very pleased with the way you've received us, and we hope that we will come back with a bigger group, with more things to do, and that someday some of you can come and visit us in Canada. Yeah, we've been very excited about coming here, and we're even more excited on arriving and the type of reception we have been given. Now, today we've done a number of operations. My colleagues and I, we've been involved with working with surgeons from Cote d'Ivoire here, and we've done a young lady with a thyroid mass, what we call an adenoma of the thyroid. We've also worked on a young man who has an umbilical hernia, that's the belly button, when the thing pops out. Now we fixed it. We also did a young man also who has a very large scrotal swelling. We call that a giant hydrocele. It was on both sides. And quite recently, not too long ago, we did a five-year-old boy who had, or who was said to have, an inguinal hernia. He must have been born with this because earlier on in life, he had the right-hand side done. And belatedly, the mother noticed that the same thing had occurred on the left side. It took us about 30 minutes or less to do it. The child did very well. So we've had a very good first day operating in this hospital, and we want to say that we are delighted at the facility you have and the staff you have and the congenial relationship we see among all the members of the staff. So we're very pleased and we're delighted to be in Cote d'Ivoire. Thank you very much. Merci. Nous sommes l'équipe du Canada. Nous sommes des Canadiens et on est les chirurgiens, leur directrice de développement et recherche et l'avocat. Nous visitons la Côte d'Ivoire parce qu'on aime les Ivoiriens. Nous aimons l'Afrique et nous sommes ici pour aider. Nous voulons apprendre. On veut collaborer avec la Côte d'Ivoire et on va partager nos expériences dans les interventions médicales, académiques et dans les recherches. Et moi, je suis Irina Abara. Je suis la directrice de recherche et développement et un avocat. Et on a fait notre voyage en préparation pour la conférence annuelle du médecin du West African, africain, des chirurgiens, la société de chirurgiens et des médecins. Maintenant, notre première semaine, on va faire beaucoup d'interventions. On va faire des observations dans le médecin, dans les cliniques et dans l'académie. Maintenant, j'avais le privilège de collaborer avec les médecins, les chirurgiens. Ils sont vraiment, vraiment intelligents
et prend soin de leurs patients. Ils sont vraiment académiques dans l'exécution des opérations et des interventions. Ils sont vraiment fiers de ce qu'il a et il est fier de partager l'information qu'ils ont avec nous. Et pour moi, c'est un privilège d'avoir cette expérience. I am Adeyemi Laoshibiko. I'm a general surgeon, and I'm very delighted to be here to work in collaboration with my colleagues in Ivory Coast. I really did enjoy the way we were welcomed at the airport and how we've been accommodated and incorporated into the hospital here. The whole group, starting with Dr. Bonnie and the operating room staff, anesthetists, the nurses, and even the sterilization unit staff have been very, very wonderful. So we've had a good impression so far, and the patients have been very cordial as well. We've enjoyed our operations thus far. Thank you very much. My name is Dr. Dapo Mabadije from Saskatchewan, Canada. I'm a general surgeon, do a bit of laparoscopic surgery too. We've been quite happy to be here. It's been a life-changing experience to meet with our colleagues from Cote d'Ivoire. I've been quite impressed with their level of skill and their technical abilities. They have incorporated us and accepted us into the system, and we've worked closely together with them. So it's been a good time. We've been here for less than 24 hours, but we feel as if we belong here. And we hope that we can collaborate more together in future. So I think this is the beginning of better things to come. And we will also carry back with us some experience from here that we will take back to Canada to share with people over there. Je suis docteur Abois, je suis en train de faire l'intervention d'une hernie inguino-scrotale avec un confrère venu du Canada, docteur Dapo, avec qui nous travaillons en franche collaboration dans le cadre du Collège Ouest Africain de Chirurgie, dont le congrès aura lieu à partir du 1er. Nous sommes dans les journées opératoires actuellement. Ce patient est un jeune de la trentaine qui a une volumineuse hernie inguino-scrotale qui date de plus de 5 ans. Et cette hernie a pratiquement entraîné une béance du pelvis, comme vous voyez. Donc chez lui, nous allons pratiquer une intervention qu'on appelle une plastie inguinale avec interposition de matériel prothétique qui a l'avantage donc de réduire les récidives. Mr. Dako, yes. C'est bénin ou c'est malin? Faut pas dire ça. C'est une hernie, c'est une pathologie bénigne. Une pathologie bénigne qui est due à la faiblesse simplement des orifices. C'est pas combien de remèdes.
Si ça te fait mal, il faut leur dire que ça te fait mal. Hein? On n'a pas mal. There are usually hernias in Canada, but they are not as big as these ones. These ones are very big. We call them giant hernias, and they can be very difficult to deal with, but not impossible. In Canada, we see them at early stages when they are much smaller, and then you can reduce them. But these ones, the giant hernias, they actually contain some intestines, so it's very difficult to reduce them. You have to operate on them to open up the layers in the abdomen to push the intestines back into the abdomen and then repair the posterior wall to make sure they don't come back. So these surgeons are helping the Ivory Coast surgeons to fix this big giant hernias today. Donc c'est un sujet jeune, il est très actif, donc ne pas que la maladie revienne un jour. On va renforcer sa paroi en mettant une prothèse. Nous sommes déjà au niveau de la ponevrose, la structure que je tiens en main, que nous allons renforcer après par notre prothèse. Bien évidemment, après avoir fini d'exécuter le sac hernière, ce gros sac qui est là, que nous allons enlever tout à l'heure. So saying if the distal hand is going to be a problem, we can just cut it and marsupialize the edge and leave it there just so it doesn't form an hydrocele. But we'll try and see if we can take all of it out. So once we've gotten the sac out and we are sure, we can just divide the sac and repair the posterior wall. But we need to decide the cord structures away from the sac. So you're trying to separate the cord structures from the sac. Yeah. So the vas, the vas and his blood supply. Because this is a young man, mm-hmm. and you don't want to sacrifice his ability to have children, right? No, we don't want to do that. Okay, good. So that's the major challenge of this surgery. And I think we're almost there. I think if we... The good thing, though, is that we've been able to reduce the sac. And surprisingly, the content of the sac was his appendix. Really? Yeah. And did you do anything to the appendix? No, we took it back in. The issue is that we're going to put a mesh here, so if you do an appendectomy, it increases the chance of a mesh infection. I know that there's a concern that he may present with appendicitis in future, and then we'll save him that. Fix it. Yeah, but we can fix it then. No, I've not. Yeah, of course, back in Nigeria, we've seen the size of hernias, more in the villages, but never in Canada. It's, let's see. Now, if you saw this in Canada, would you do it differently? No, it's the same operation. The same operation. Probably takes some more time. Why do you think you don't see them this big in Canada? Well, I guess they present earlier. I think one of the issues has to do with resources. And I guess this man probably has to think about his family and his work and when he can come and do it.
That's probably less of a concern back in Canada. So I guess the major issue is they probably wait until when they can't wait any longer. So. Okay. You know what? Yeah, I think we're almost there. What do you think? Je m'appelle Moussé Élisée, je souffrais d'une hernie bilatérale. Donc j'avais mal depuis plusieurs mois. Donc c'est ça, j'ai décidé de venir voir à l'hôpital. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ils ont décidé de m'opérer. Donc c'est ça, ce matin, m'opérer. Lui, bon, c'est mon fils, c'est déjà présenté. Bon, depuis un moment, il avait mal. Donc, quand nous sommes arrivés pour voir à l'hôpital ici, donc, le docteur a décidé de nous opérer. Il nous a aidés. Donc, j'ai dit merci. Merci à l'organisation qui nous a soutenus. J'ai dit merci. Thank you.
l'hôpital, c'est une polymyomectomie. Une polymyomectomie. Donc chez elle, on va faire ce qu'on appelle une myomectomie, c'est les myomes, c'est comme des boules. On va enlever ici l'utérus. C'est tout. Ouais. Comment? C'est quoi? C'est bénin comme affection ou c'est maladie? Bon, par principe c'est bénin. Mais on ne peut l'affirmer que après ce qu'on va enlever, elle va aller déposer au laboratoire. C'est après l'étude anatomopathologique qu'on pourra exactement préciser. Sinon, pour l'instant, on part sur le principe du fait que c'est une maladie bénigne. Mais il faut pouvoir avoir la confirmation après la lampade. Merci. 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 On peut donc lui parler. Oui, on peut lui parler. Hein. Madame, c'est mieux, là. Parce qu'on me dit le corps depuis combien de temps? Ça fait 3 à 4 ans. Et là, j'imagine que vous avez beaucoup de plagiat. Donc, c'est merci à la WAC. Merci. Vous êtes en atelier, c'est ça? Oui. J'imagine que vous en avez eu comment. Vous avez pour ce très court de l'air là. Oui. Là, je me dis, c'est des défis que vous relevez quoi, avec toute l'équipe, avec Brio. Oui, en fait, bon, ça, c'est notre travail. Et bien, les hommes, on est toujours là. Donc, c'est la somme de Brio. Bon, ça, comme vous l'avez dit, ça arrive à me défier. Comme ça. Il est en train de sortir. Il faut bien respirer, nous. Il respire bien. Pour respirer, on respire. Il ne faut pas penser à ce qu'on fait là-bas. T'as compris? Oui. Voilà. Mais il y a deux zéros dans tout ça. Il y a deux zéros là-bas. Vous avez deux zéros. Il n'y a pas de zéros. Nous sommes en train de traiter ce qu'on appelle un hypospadias. Mais un hypospadias postérieur, périnéal. L'hypospadias, c'est, si vous voulez, c'est l'urètre normale chez quelqu'un qui pisse normalement. Les urines sortent au bout du pénis. Mais dans son cas, il pisse comme une femme. Parce que l'urètre n'est pas arrivé à l'extrémité du pénis. Donc, c'est en bas, entre les testicules, au bas du testicule, que l'urètre s'est arrêté. Donc, il pisse comme une femme. Il ne peut pas pisser comme un homme. Et notre travail que nous faisons ce matin, c'est de réparer ça. Mais ça se fait en plusieurs étapes. Nous avons fait la première étape aujourd'hui, qui consiste donc à ouvrir, à redresser le pénis, à placer donc au niveau de la, enlever au niveau de la bouche une muqueuse buccale et venir faire un greffe, une greffe plutôt sur la zone qu'on a ouverte où l'urètre n'arrive pas jusqu'au bout du pénis. Une fois que cette greffe va prendre 3-6 mois après, on va revenir pour refermer, pour reconstituer l'urètre. Et il sera comme un homme normal. On va pisser maintenant normalement. Et il n'en aura aucune séquelle ici? Non, il n'y a pas de séquelle. Il n'y a pas de séquelle. Généralement, il pisse correctement, sans problème. Comment ça fait une semaine que vous travaillez de manière à rassembler? Il y a une certaine collaboration avec des collègues qui sont venus en la faveur de la conférence que le collège doit faire sur le organisme. Comment se passe cette collaboration avec vos collègues? Il faut dire que la collaboration a été créée il y a au moins 4 mois. Que nous sommes ensemble via internet, téléphone et autres. Donc, on a communiqué. Ils connaissent les malades que nous devons opérer parce qu'on leur a envoyé
la liste des malades et des pathologies qu'on devait faire. Donc le contact a été créé bien avant. Lui, il est venu déjà ici en décembre. Le président qui coordonne donc la WACS en Angleterre, lui est venu ici en décembre. Et en décembre, il est venu voir d'abord la structure. On a discuté, on a mis le plan de travail en place. Et avec le plan de travail, il est reparti avec ses amis là-bas. Travailler le plan, me renvoyer le plan pour me dire voilà les modifications qu'on doit apporter. Et puis après, une fois qu'on s'est mis d'accord, alors ils sont donc venus. Donc ceux qui sont ici, des universitaires, tout comme ceux qui sont à l'hôpital maîtrise de Dabou, à leur arrivée, on a eu une réunion où nous avons échangé. Et puis le plan dont on avait déjà parlé, nous l'avons mis sur la place, ça a été validé. Et c'est ce que nous exécutons aujourd'hui. Mais l'ambiance est quand même, c'est une ambiance chaleureuse. Parce que nous causons, nous rions, nous bavardons. C'est entre nous. Hein? Ils sont venus pour nous apprendre certaines techniques qu'ils utilisent chez eux. Ils sont venus également apprendre à nos côtés parce qu'il y a certaines pathologies, maladies, interventions qu'ils ne voient plus chez eux. Donc, ils sont venus apprendre aussi à nos côtés avec cette maladie-là, qu'on découvre ensemble. Voilà un peu l'échange. Donc, si vous voulez, c'est un forum d'échange. Nous recevons deux, ils reçoivent deux. Et puis, nous travaillons aussi. Voilà un peu comment ça se passe. Merci, docteur. Et l'intervention. Oui, on va faire ça à toi. Voilà, donc voilà, pour nous dire c'est quel genre d'intervention vous allez pratiquer là. C'est une tumeur. Le scanner qui a été pratiqué dit que c'est un neurofibrome. C'est une tumeur au dépens des structures nerveuses au niveau du coude. Donc nous allons aller pour enlever cette tumeur. Après quoi, c'est ce qu'on appellerait une ablation. Oui, une ablation de la tumeur que nous avons fait. Mais après cette intervention, le patient pourra. On a déjà parlé avec lui, il y a certaines fonctions de cette doigt qu'il va perdre. Parce que la tumeur comprime son air radial qui semble être pris dans la masse. Donc quand on va expliquer la masse, on risque d'endommager le nerf radial. Donc il y a certains mouvements comme la pince qu'il ne pourra pas faire. Et ce genre d'intervention, c'est si on peut estimer en durée, ça prend du temps. Au moins 2 heures. Parce qu'après avoir la tumeur, il faut réparer les structures. Voilà. Merci docteur. Merci. Comment? Dans quel pays? Je suis d'Angleterre. Ah voilà, oui. Ça, est-ce qu'en Angleterre on rencontre souvent ce genre de tumeurs-là? Oui, on a voir des tumeurs comme ça en Angleterre, mais plus petites. He's asking whether we see tumors this big in England. It's a very uncommon tumor. So by the time they get to this size. Ce n'est pas très commun parce que normalement, s'il y a une tumeur comme ça, il va à l'hôpital pour les plus petites de tout ça. C'est votre premier séjour en Côte d'Ivoire? C'est la première fois que vous arrivez en Afrique, par exemple. Le premier. Votre premier temps pour venir ici en Côte d'Ivoire? C'est votre premier temps pour venir ici en Côte d'Ivoire? Oui, c'est la première fois. Moi, le deuxième. Il avait l'année dernière, c'était la première fois que je suis venu ici. J'ai venu ici l'année dernière, nous sommes venus faire le course de course l'année dernière. L'année dernière, il a fait un cours. Yeah. So, tell him this is quite challenging because already affecting his dominant hand and he needs to for his work. And when you get it done, left is bush.
Right, droit. Mais quand tu écris comme un droit, oui. Et tu parles de. Mmh. Et quoi? Elle a dit qu'il y a mieux si tu utilises comme ça, l'inverse. Oui. Parce que ça, c'est absorbé. Ouais, ça va pas de la raison. Il y a des lilas, il y a des coups qu'elle a dit. Ah non, non. Depuis toutes les interventions qu'on a faites, toute la chirurgie. Voilà, tout à fait. Parce qu'en fait, il y a 5 spécialités différentes qui sont présentes ici. Il y a des urologues, des chirurgiens digestifs, des ORL et chirurgiens cervico-faciales. Ils font les deux en même temps, de l'ORL à la chirurgie cervico-faciale, des chirurgiens pédiatres et des gynécologues. Donc aujourd'hui, on est à ce matin, on était à notre 67e intervention. Donc plus celle d'aujourd'hui, on espère atteindre le chiffre de 100 interventions minimum pour ce outreach. Des 5 spécialités confondues. Hein. Est-ce que déjà, on peut parler de fréquence par rapport à certaines affections? Dans la mesure où c'était une chirurgie, il y avait 5 spécialités. Les fréquences, moi par exemple, je suis chirurgien oral et cervico-facial. Nous avons eu plus à opérer des goîtes, des hyperthyroïdies, associées à des nodules thyroïdiens. Bon. On a eu des complications de sinusite. Un patient qui a eu une complication, notamment une piocèle frontale, qu'on a opérée ici. C'est une intervention qui est assez grosse en ORL. On a réalisé une grosse tumeur cervicale. C'est cette intervention que nous sommes en train. Sinon, majorité dans notre spécialité, tête et cou, ça essaie essentiellement d'hypertrophie ou de nodules thyroïdiens. Docteur Chatel, le matériel. Tu as pu avoir la vie là-bas? Un petit mot sur vos conditions d'intervention. Bon, la salle est un peu exiguë, compte tenu du programme qui est assez dense. Comme le docteur Chatik vous le disait, notre objectif c'est d'avoir à s'occuper d'au minimum 150 patients. 150 patients, ça suppose que habituellement, dans cette salle-là, nous avons 3 tables opératoires. Mais là, nous avons ajouté une 3e table opératoire ici, afin que chaque équipe puisse tourner. Mais malgré cela, il y a toujours une équipe qui est obligée d'attendre parce qu'il y a 6 spécialités toutes confondues qui devaient en principe intervenir en même temps. Mais malheureusement, pour le problème des tables, voilà, on est obligé d'aller en alternance et la salle est un peu plus exigée. On dirait bien que le collège ouest-africain des chirurgiens a de la matière. Oui, ce qui est sûr, c'est que notre structure a été cooptée parce que c'est beaucoup plus proche par rapport à l'objectif principal qui est de s'occuper des indigents. Donc c'est pour ça que notre structure a été cooptée. Donc c'est après que ça nous demande un surplus en équipement qui logiquement, en temps normal, ces équipements-là s'utilisent, mais là, compte tenu du travail qui est très court. On devait commencer lundi, mais malheureusement, nous n'avons commencé que mardi. Donc ça nous fait moins un jour, mais on va essayer de rattraper. Oui, mais ça, c'est pas peut-être une préoccupation de certains patients que nous avons rencontrés. Oui, oui. Il y en a qui craignent parce que pratiquement. Non, non, peut-être pour dire que ça commence lundi pour finir vendredi à 17h aujourd'hui. Oui. Mais nous allons prolonger et nous allons travailler pratiquement toute la nuit jusqu'à demain midi. Ah, d'accord, demain c'est midi, parfait. Voilà. D'accord, donc je pense qu'on pourra s'occuper du maximum quand même. D'accord. Merci encore.
Peut-être une masse latéro-cervicale gauche. Une tumeur latéro-cervicale gauche. D'allure bénigne. Là, on a fini, on est juste en train de refermer. Je suppose que le patient, il ne traitera pas de séquelles, de quelques affaires de corps. Ça dépend. Normalement, on pense que c'est bénin. Maintenant, si sa tumeur ne récidive pas, voilà. La seule, c'est pas de séquelles. On peut avoir une récidive, mais pas de séquelles. On peut savoir vous êtes à votre télé intervention depuis lundi. On n'a pas compté. Mais d'accord, c'est ce que vous avez. Peut-être après, on va faire le point. D'accord. Oui, il est trop coupé. Ivorian surgeon. It's been really great. They've been supportive. We've learned a lot from each other and we hope to keep that going. I'm sorry. Daniela, ça va? Ça va, tu dis, ça va, je suis pour le Oh, if you have the flat one, maybe the flat one will work better. Then the flat Okay. Let's go down there. Okay, do you want to ask the big question? Because they designed this day, and we just made, tried to make smaller. C'est infiltrate. Infiltration. Un bon pot de neuf.
Il va se réveiller environ, ça dépend, il n'y a pas d'heure. C'est en fonction, c'est pas la même thermodynamique. Et nous allons décider de réveiller. Qu'il élimine tout le gaz qu'il a inhalé. D'accord. Donc, on peut pas fixer une heure. D'accord. Mais l'intervention a duré quoi? Alors, l'intervention a duré environ 4h30. 4h30 d'intervention. Ça s'est très bien passé. Et on peut dire que le jeune il est sauvé. Oui, on a fait de notre mieux en tout cas pour que cela soit le pour que ça soit le cas en fait. Merci encore. To appreciate what this gentleman has done. He's been here since Tuesday. He's an anaesthetist and he's the only anaesthetist here. And we're really very appreciative for every single thing you've done. Dr. Ango, thank you very much. Thank you very much. How many interventions I'm not sure how many operations we did. We did try to do probably about, the plan was to do 300, but I'm not sure exactly how many we've done. But we have done quite a few. It's been a very, very useful time here. We're very happy that we came. I'm very happy we've been able to help the people of Abidjan. Happy to help the trainees. It's been a very worthwhile time. It's your first time in Abidjan? This is my very first time in Abidjan. I've never been to Cote d'Ivoire before, yes. Thank you very much. Thank you very much. Il y a vraiment de l'ambiance. Une très belle ambiance. What's her name? On aimerait que chaque année, que ça se répète. Ils sont formidables. Des bons chirurgiens, des bons médecins, des anesthésistes. Ils sont parfaits. Je suis Madame Kamala Amoureuse, fille de salle, hôpital méthodiste. Mon bébé, il avait aimé. Donc, on est venu pour l'opérer. Ça s'est bien passé, hein, l'opération? Ça s'est bien passé. Donc, il dit merci. Au docteur, ceux qui ont fait. Et tu n'as pas payé 5 francs? Je n'ai pas payé ça. Il a dit merci beaucoup, que Dieu l'ait béni. Il a combien de mois ton bébé? Il a 2 mois. Un beau bébé. Je veux tout savoir. La première fois que nous participons à l'Outreach, qui est cette organisation dans le but de d'opérer la population ivoirienne gratuitement. C'est la première fois que nous participons à ça. C'est vrai, je vois que vous avez un petit accent, vous venez de... Déjà, mais par rapport à... Là, je vois qu'il y a une très très bonne ambiance. Mm-hmm. J'imagine que c'est quoi? C'est votre première conférence ou, pour nous, moi? Oui, vous, pour nous, nous. Ouais, vous, oui, c'est notre première. C'est votre première. Parce que vous savez, c'est l'ambiance est toujours comme ça. Bon, je ne sais pas si vous voyez, c'est... L'ambiance est chaleureuse entre tout le monde. Non, en fait, c'est plutôt même. C'est très intéressant parce que vous êtes de jeunes chirurgiens par rapport à vos aînés. Et là, vous êtes intégrés.
C'est-à-dire, là, on ne voit même pas le truc. Ah non, c'est les jeunes, c'est les doyens. C'est si extraordinaire. Et on se connaissait. Parce que pas du tout avant lundi. Donc, tu vois, là, on s'est connus juste depuis lundi. Mais lundi, si on veut bien travailler, il faut travailler dans l'entente. Voilà, chacun respecte son collaborateur. Et il faut une cohésion. Il ne faut pas se mettre à l'écart les uns des autres. Comme ça, on collabore mieux. Pour nous parler un peu, je sais pas si c'est votre première fois en Côte d'Ivoire. Vos impressions, vos premières impressions par rapport un peu à ce cadre de travail et puis cette action humanitaire que la WAC mène à l'endroit des populations démunies de Côte d'Ivoire. Il s'agit d'un accueil très chaleureux qu'on a eu ici à Dabou, le docteur Gou et son équipe. Et la WAC, en Côte d'Ivoire, c'est ma première fois d'être ici. Et je crois que je vais revenir parce que j'aime bien à checker. She's very fast, seems to be very fast coming. Yeah, exactly. Je peux expliquer à grand-mère ce que nous voulons faire pour vous. Ouais. Alors, cet enfant-ci, il a présenté aujourd'hui avec une hernie inguinoscrotale. Grand-mère a remarqué il y a 2 mois. Et depuis ce temps-là, il se plaint du douleur abdominale quand il joue avec ses amis. Alors, depuis hier, elle se remarquait qu'il a grandi. Et il se fait plus de douleur. C'était possible à le réduire juste ici, mais nous avons parlé avec les autres ici et nous allons essayer de faire la chirurgie pour lui aujourd'hui s'il y a un lit. Ok? Et nous vous voyons dedans. Ok? Ok, il n'y a pas de souci. Merci. Il y a un moment. Vous voulez le voir, l'hernie? Ouais. C'est lui. Il y a une hernie là qui a grandi aujourd'hui, mais on peut faire réduction comme ça. Cela ne fait mal. Ne fait mal du tout. On peut le réduire comme ça. Mais il y a un trou ici qu'il faut fermer. Aussi, j'ai remarqué que le testicule à gauche est ascendé un petit peu. Donc, en même temps, nous allons essayer de faire descendre et donc cela ne devrait être un problème. Ça va? Est-ce que en Angleterre, vous rencontrez des cas comme ça? Des cas comme ça? Oui, bien sûr. C'est très fréquent et on fait exactement la même chose si on est là-bas ou si on est ici. C'est une procédure très simple et très vite. Avec des bons résultats. I am the coordinator of WAX UK Forum. We are in Abidjan, Methodist Hospital, Dagun, for an outreach, a surgical outreach, which is to perform free surgical operations on deserving patients selected by the local organizing committee in the hospital. We came in and last weekend, and I've been working here since Monday. It has been a very exciting and touching experience. We're having to treat people in general surgery, in ENT, in urology, in pediatric surgery. And everyone has been so busy working from about 8 in the morning till about 8-9 at night, and on 2 occasions some colleagues have actually slept in the hospital. And I don't think we can finish the work because I can see a huge crowd of patients who are waiting to
be written, but we do our best during the available time. Moi, la proposition que je voulais faire, c'est que les malades qui sont ici présentement, ça fait un an. Ces malades-là sont un an et que nous a dit que des gens doivent venir pour intervenir. Donc les anciens malades-là sont prioritaires, mais aujourd'hui, ils ne sont pas prioritaires. Tous ceux qui sont arrivés de partout, c'est ceux-là qu'on traite et les anciens-là, ils sont là. Jusqu'à aujourd'hui, bon, les gens ont commencé depuis lundi. Lundi, on n'a pas travaillé véritablement. Mais ils veulent que la journée prenne fin le samedi, en principe. Doit prendre fin, la journée doit prendre fin le lundi. Là, au moins, le samedi, au moins même dimanche, on pourrait quand même soulager encore certaines personnes qui sont peut-être en retard. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Si demain, la journée s'arrête, c'est que nous autres, on serait laissés pour compte. Puisque ça fait un an, moi, là, je suis là. Ça fait un an. Et j'ai été prévenu depuis même, je suis là, depuis le début de la journée. Jusqu'aujourd'hui, je suis encore sur le carreau et demain, ça prend fin. Bon, je ne suis même pas sur une liste. Alors là, tout ça, vraiment, c'est déplorable.